calme. Mais si. Voilà, nous sommes dans le domaine de l'arbousier. Voilà, là-bas, là-haut, il y a une cabane et voilà, là, avec une petite terrasse sur le sable que tout le monde peut manger, regarder. Tu peux manger, tu peux dormir. C'est bien fait la cabane. Avec la fenêtre en façon de racines. On ne le voit pas parce que il y a des mondes aujourd'hui, on va dire qu'il y a presque 1000 personnes, ou un peu plus peut-être. Et ce soir, apparemment, il y a un gros événement ici dans les domaines. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est tout le monde qui arrive, regardez là-bas. Il y a une grosse queue de voitures qui arrive encore. Et ici, on ne sait pas qu'est-ce que il y aura un gros événement et nous on va rentrer. On y va. On arrive à l'entrée des domaines. Voilà, on n'a pas filmé à l'entrée parce qu'il y a quand même la sécurité. Il y a des mondes qui arrivent. Ici, il y a des événements. Comme vous savez, vous, dans les arbres, il y a des groupes de musiciens. Voilà, la vigne. Il y a des repas, il y a des dégustations de vin. Voilà, la production, les activités, des séminaires. Alors, qu'est-ce qui va passer ce soir? On ne sait pas, mais on ira. Il faut voir. Hein? Voilà. Nous sommes dans le centre de production de vin. Apparemment ici, c'est pour la production de vin AOP. Voilà. Ici sont les barils pour la fermentation, voilà le procédé du vin, la barrique, on dit baril en espagnol, en français, il faut que quelqu'un m'apprenne à dire ça. C'est ici la presse pour les raisins. Là-haut, voilà, tout se prépare là-haut. Hein. Wow, super, super cool. Et ici à l'extérieur, on sait qu'il y a un événement, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura ce soir. J'ai perdu mes amis, je ne sais pas où sont mes amis, mais quand même, on va les retrouver, j'espère. Qu'est-ce qui va passer ce soir? On ne sait pas, mais voilà, on attaque, on rentre à l'aventure, on regarde tout, on parle avec tout le monde, on va demander qu'est-ce que... Voilà, mais à la fin, oui, on peut demander qu'est-ce que sera... Apparemment, il y a l'animation,
Là-bas, c'est les toilettes. Il y a un petit truc là-bas. On va voir. Dans une minute, on sera de l'autre côté. En fait, c'est la dégustation et pourquoi je vois que tout le monde demande les mêmes les rosés. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les rosés qu'il n'y a pas dans les blancs ou les rouges? Alors, c'est une très bonne question. Oui. Je n'ai pas la réponse. Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Voilà, après, voilà pour le rosé, en fait, on va utiliser du coup du raisin blanc. Contrairement au rouge, on va utiliser du coup du raisin noir. Voilà, je pense qu'honnêtement, ça va être la seule différence qu'on puisse avoir voilà, entre du coup les rosés et les vins. Ok. Voilà. Merci. Alors, on a fait les belles rencontres avec Béatrice et elle nous propose le vin Arbousier. Mais moi, je suis personne pour expliquer ça. On va laisser à la spécialiste. Alors, bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, c'est Béatrice. Je suis partie du domaine, donc c'est un domaine familial qui date de 4 générations maintenant. Et là, ce soir, on est pendant des vignes estivales. Donc, je vais vous proposer les vins que l'on propose. Donc, on a tout d'abord, on a notre blanc, donc hop, qui est par ici. Donc, on est sur un blanc sec avec des notes florales et d'agrumes. Voilà. Aussi bien pour l'apéritif que pour les poissons, les coquillages, les crustacés. Après, vous avez notre rosé, parfait pour l'été, où là, on va être sur des notes de fruité, fraises, framboises, pêches. On va passer au rouge. Donc toujours dans la gamme gourmandise, vous avez notre gourmandise rouge qui est principalement de la Syrah, Grenache et Mourvèdre. Il est souple et fruité. Vous avez l'inattendu qui est très particulier, c'est notre grès de Montpellier où là on va être principalement sur du Mourvèdre assemblé avec un peu de Grenache. Donc là, des notes poivrées, réglisse, cannelle. Et notre haut de gamme, la grande cuvée. Donc là on va être principalement sur de la Syrah et du Grenache et un tiers est vient en barrique. Voilà, donc là on va être sur une bonne entrecôte, une sauce au poivre. Voilà. Merci. Il faut venir là. Bandou, on va signer les contrats, vous savez, voilà, on va signer les contrats tout de suite. Merci, bonne journée. Avec plaisir. Et nous, on peut le y aller, là, maintenant. Le soleil passe sombre par la fenêtre. Les chasseurs m'apportent comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement vous lire, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'en vaudrait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas.
Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Da 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 da. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique, être sympathique.